Weedy song, feed the love, feed the fire, weedy fire, weedy fire, sigh, I am, weedy fire. Donc, le lendemain matin à 8h, vous êtes de retour devant la guilde des Trois Plumes. Il y a des choses particulières que j'ai à savoir sur vous. Je continue à dérouler l'action. Eh bien, on va croire que Ned et moi, on va se mettre en mode garde du corps. On va tous être habillés avec nos belles petites capes de guilde. Et on va très légèrement mais fermement mettre Altea devant, hein, genre elle dirige, et puis Ok, voilà. Donc c'est la chef et vous êtes des hommes de main. C'est cela. Ça marche. Vous arrivez devant... C'était pas prévu. C'était pas prévu. Vous arrivez devant le portier. Se tenir droit, oui. Oui, qui ouvre grand les portes de la guilde des Trois Plumes. Au fait, c'est Guillaume Tell qui a rendez-vous. Hein. Vous êtes passé la veille. Pas moi. Vous êtes passé la veille. Non, il n'y a pas de trace de Guillaume Tell, je te rappelle. Vous êtes passé la veille. Le type vous reconnaît, est toujours aussi avenant du reste. Une fois qu'il a ouvert les portes et qu'il les a fermement accrochées, du reste, j'en profite pour signaler que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes un peu dans une foule de gens qui attendent l'ouverture de la guilde. Donc voilà, une fois que lui a ouvert les portes, il y a pas mal de gens qui commencent à faire une sorte de file d'attente et rentrer. Un flot de gens, vous êtes à peu près une vingtaine de personnes, commencent à rentrer dans le hall de la guilde. Et chacun a l'air de savoir ce qu'il fout là. Hein. Donc chacun cherche une personne en particulier, ou voilà, personne n'est perdu et en train d'errer. Et le type qui a ouvert les portes regarde tout le monde rentrer, salue de la tête certaines personnes. Pour l'instant, ne prête pas plus attention à vous que ça. Ben, on va commencer par aller vers lui. Il repère assez vite que vous désirez un renseignement, ça a l'air d'être ça. Et très aimablement, les mains jointes dans le dos, fait quelques pas vers vous. Bonjour. Bonjour. Alors, pas trop fort, mais fermement, on va poliment demander si on pouvait voir Arabelle Balioun rapidement. Dame Arabelle Oui, enfin c'est le mot rapidement qui est peut-être un petit peu gênant, c'est une dame très occupée, vous savez. C'est pour une affaire importante qui concerne sa famille et les mains. Et surtout avoir l'air sûr de soi. Mettons les conseils des prêtres de Médion en action en et tenons-nous droit ferme. Tu n'es pas sans appel. Que les deux sujets que tu as évoqués ont l'air de retenir son attention. C'est voulu. Et prenant un air un petit peu mystérieux, il te dit « Mais peut-on en savoir plus ?» Eh bien, ce sera Dame Balioun qui vous dira si vous pouvez en savoir plus ou pas. Je ne peux pas, je ne suis pas habilitée à vous en parler. À vous. Bien reçu. Si vous voulez bien me suivre. J'espère que vous le comprendrez. je comprends tout à fait, demoiselle. Il vous conduit dans un petit salon privé où il vous demande de patienter quelques instants. Il va aller informer Dame Arabelle de votre venue et il vous rapportera sa réponse. C'est une pièce au mur blanc, assez démunie, d'assez petite taille en fait. Ça ressemble à un carré, avec des banquettes qui sont le long du mur. Un peu comme un box chez Flunch ou McDo, quoi. Avec une table au milieu, avec un pied unique, et tout le monde s'assoit autour. Il y a une fenêtre, alors pas le genre de fenêtre par lequel on passe, le genre de fenêtre où il y a une sorte de croisillon en bois, qui la ferme complètement, qui n'est pas enlevable.
Donc on peut voir l'extérieur à travers les croisillons, mais on peut pas passer sans défoncer les croisillons. Vous patientez là quelques instants, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il n'y a aucune décoration, rien, tout est vraiment très épuré. Et puis la porte de votre petite pièce se réouvre. Le jeune homme est toujours là. C'est lui qui ouvre la porte et qui s'efface avec beaucoup de déférence face à... Tadam ! Que voudriez voir apparaître ? Une dame. Une belle dame. Qui ressemble un petit peu à Oren. Ouais, en plus elle cligne des yeux. Qui ressemble un petit peu à Oren, en plus âgée. En plus âgée, qui porte une robe blanche, Arabelle, se présente dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une robe blanche un petit peu moulante, il faut dire ce qui est, même si elle est très simple, avec un col de fourrure blanc, le tout fait très immaculé. Le visage est assez joli, même s'il est un petit peu, vous diriez, inquiet. Certainement à cause des deux fameux sujets dont vous êtes venu l'entretenir. Elle conserve malgré tout un calme assez olympien, une grande maîtrise de soi. Vous lance un sourire commercial. Ceci dit, elle ne s'assoit pas, elle reste debout. Et elle congédie son acolyte. Qui s'incline bien bas et referme la porte derrière elle. Vous avez toujours vos positions de garde du corps, ce qui fait qu'elle regarde Althea. Oh. Et elle te dit vous avez toute mon attention. Eh bien, enchantée. Suite. Nous sommes dans cette ville depuis quelques jours et à cause de certaines circonstances sur lesquelles je ne vais pas évoquer pour le moment, nous en sommes venus à enquêter sur cette histoire de main disparue, réapparue. Et comment je place ça ? Rapide coup d'œil vers les deux petits gars, aucun qui a envie de dire un truc là parce que... Profitant du silence, elle te dit dans ce cas c'est mon cousin que vous devriez aller voir. Et je la fais. Ah. Et il semblerait que cette histoire soit bien plus complexe qu'elle ne pour elle ne le semblait au premier abord. Avec Vitchek, cela ne m'étonne pas. Vous êtes venu chercher quoi exactement dans ma guilde ? Je ne comprends pas en quoi cette histoire de vol de main m'intéresse. Votre aide pour dénouer cette solution on ne peut plus complexe. Comment poser ? Vous insinuez que... que je possède la main d'or ? Non, mais vous possédez la main d'argent. Oui, c'est exact. Et bien ! Ah ! Je n'aime pas accuser les sœurs des gens. C'est toujours complexe. J'ai eu l'occasion de discuter avec Luna. Qui, par ailleurs, est sorti actuellement de prison, au cas où vous ne seriez pas au courant. Non, je n'étais pas au courant. Le sergent Darth l'a laissé sortir, au vu de certaines révélations qu'elle lui a faites. Car il semblerait qu'elle ait été manipulée lors de ces vols. C'est vol. Alors, j'ai peut-être mal compris la façon dont vous avez tourné votre phrase. Mais vous venez bien de dire que c'est elle qui a dérobé la main d'or. Oui. À son propre père. Intéressant. Et cette manipulation, vous en savez plus ou
Vous pouvez m'en dire plus ? Selon vous, serait capable de manipuler votre nièce en jouant sur ses sentiments pour qu'elle en arrive à voler la main d'or à son père ? Je dois avouer, pas grand monde. Ma nièce est quelqu'un d'intelligent et d'assez débrouillard, donc je dirais quelqu'un de doué. De très doué et quelqu'un en qui elle a confiance. Comme votre sœur? Oh, reine. Si ce n'était pas ma sœur, je vous répondrais oui. Qu'espérez-vous en me révélant ce genre d'informations? Je tourne ça comment, les gars? Un peu d'aide? Ça dépend ce que tu veux dire. Merci pour votre aide. Afin de dénouer totalement cette situation et de comprendre l'implication réelle de votre sœur, nous aurions besoin que vous lui confiez la main d'argent. Carrément. À elle, pas à nous. Carrément. Oui. Nous pensons qu'elle souhaite réunir pour des buts plutôt personnels et non pas familiaux les deux mains. Figurez-vous que avant-hier, elle est venue vous voir. Ma sœur est venue, effectivement, à la guilde, me faire part de ses inquiétudes concernant la main d'argent et me proposer de l'abriter un temps au temple. Ce à quoi je lui ai répondu que la main d'argent était en parfaite sécurité entre mes mains et qu'elle ne s'inquiétait pour rien. Et voilà que vous surgissez 2 jours plus tard pour me demander la même chose. Il n'y a donc que 2 possibilités, soit vous dites vrai, soit vous travaillez pour ma sœur. Oh non. Pardon. Non, j'en doute. Regardez, Royce, est-ce qu'on travaille pour Oren? Faut dire qu'elle m'a empoisonné, charmé. Et mon collègue ici présent aussi. Elle s'assoit à vos côtés, joint ses mains sur la table et plonge ses grands yeux dans ceux de Royce et te dit « Racontez-moi ça. » Eh bien, nous avions échafaudé tout un plan afin de pouvoir parler à Luna pendant qu'elle était en prison. Et il s'est avéré que William, ici présent, et moi-même, nous nous sommes retrouvés pas très loin de l'extérieur de la ville en partant dans une totale direction contraire à celui de notre village initial. D'accord. Sans savoir où nous allions et ce que nous faisions. Et je suppose sans aucun souvenir de ce qui s'est exactement passé. Exactement. Oui, ça lui ressemble. Ma sœur. Bon, vos propos ont un accent de vérité, je vous le concède. Mais en quoi est-ce que remettre la main d'argent à Oren va vous aider? Au final, elle aura ce qu'elle veut. Notre plan est d'intervenir lorsqu'elle essayera d'utiliser les deux mains. Parce ce qui vous nous permettra
Vous ne savez pas exactement ce qu'elle veut en faire, c'est ça? Nous avons d'assez fortes suspicions, mais aucune preuve. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si vous travaillez pour Vitchek ou si vous êtes indépendant dans cette affaire. Je ne sais pas bien quel est votre intérêt à vous mêler de tout ça. Vous direz simplement à celui qui vous envoie, ou vous en parlerez entre vous, j'accepte à une condition. Je veux que Luna, en personne, vienne ici me confirmer vos dires. Ça me semble parce que tout à fait possible. Si vous avez raison, elle n'a rien à se faire pardonner, et c'est moi qui lui dois des excuses. Si vous avez tort et que vous mentez tous, je le verrai. Elle, je la connais. Vous, je ne vous connais pas. Vous me sortez une histoire qui, ma foi, est crédible. Vous avez l'air d'avoir un début de plan. Il me semble pas incroyable que ma sœur soit mêlée à tout ça. Mais je ne peux pas vous croire sur parole. Normal. Luna, je verrai bien si cette histoire de manipulation est vraie ou pas. Je le sentirai. Maintenant que je me méfie. Et si c'est le cas... Si c'est le cas, j'irai moi-même au temple mettre la main d'argent en sécurité. À quel moment pouvons-nous, enfin, comment pouvons-nous organiser la rencontre avec Luna de sorte que si c'était plus ou moins surveillé, enfin, elle est assez remarquable en ville, donc je voudrais pas que ça se sache trop. Quand elle se donne les moyens, elle sait être très discrète, vous savez. D'accord. Elle sait où j'habite, elle connaît très bien les locaux apparemment. Vous lui direz que je l'attends dans mon bureau. Et sitôt... Alors qu'il arrangera elle. Très bien. Et sitôt que je l'aurai vue, je mettrai la main dans un coffre et je la ferai convoyer au temple. Autant dire que vous avez intérêt à être sûr de votre plan. Nous en sommes sûrs. Bien, je sais bien que... C'est un mensonge et honte. Techniquement, ça n'est pas ma main. Mais vous voyez, j'y suis curieusement attaché. Je comprends, c'est une affaire de famille. Surtout que dans maintenant 3 jours, nous sommes censés procéder à l'échange des mains. Je comprends. Et que je ne sais pas encore comment ça va se passer, vu que l'une des deux a disparu. Et je suis pas sûr de vouloir donner ma main à Vitchek et ne rien recevoir en échange. C'est un cas unique hein, dans l'histoire de la ville. Entièrement. Voilà, vous avez mes conditions. Si vous m'avez menti, je vous le ferai payer très cher. Mais ça, vous le savez déjà, je suis sûr. Si vous ne m'avez pas menti, nous sommes associés. Parfait. Comment on fait? On tend la main quand on est associé? Et on la serre. Et on ça. Je vous proposerais bien quelque chose à boire ou à manger, mais je sais que vous n'accepterez pas. Ah, j'ai un petit peu de mal dernièrement. Les pâtes de fruits passent bizarrement. Elle se lève. Et elle vous laisse. On n'a plus qu'à aller parler à Luna, j'imagine. Oui. Vous allez retrouver Luna qui se trouve chez les Dan, au milieu de ses amis. Alors ça commence à savoir qu'elle est sortie. Vous l'accueillez, elle est entourée de gens. Vous avez plutôt envie de lui parler toute seule ou le fait qu'il y ait des gens autour ne vous dérange pas? Elle et son père au maximum, pas plus. Donc elle laisse son groupe d'amis. Alors son père n'est pas là, elle ne sait pas où il est. Il s'est absenté, en tout cas. Et donc, vous allez dans un coin tranquille où elle vous écoute. Ah, c'est vous, hein.
D'accord. Vas-y, Royce. Vas-y, Royce. On a donc été voir votre tante. Et on était d'accord sur... elle était au courant, je ne sais plus, sur le plan qu'on avait ou pas, Luna. Oui, elle était oui, dans la... oui, oui, elle était dans la pièce avec Vichek. D'accord. Elle a posé une condition pour remettre la main à votre autre tante. C'est d'avoir confirmation par vous que notre histoire est vraie. Elle veut que j'aille la voir. Elle aimerait vous voir. Ce qu'elle nous a dit, c'est que si notre histoire est vraie, c'est à vous qu'elle doit des excuses et qu'elle aimerait tirer tout ça un peu plus au clair. Elle vous attend dans son bureau au moment de votre choix. D'accord. C'est à vous de prendre la décision. Elle avait l'air en colère ? Pas du tout. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien contrôler ses émotions. Mais elle semblait quand même très intéressée par notre histoire. Et pas surprise par l'attitude de sa femme, par ce que nous lui avons dit sur sa sœur. Eh bien, je vais faire ça. Avez-vous besoin que l'un d'entre nous vienne ou deux d'entre nous viennent en soutien avec vous ou est-ce que ça ira ? Je préfère y aller en douce. On peut être discret. J'ai un sort d'invisibilité. Vous savez, l'expérience m'a appris qu'en matière de discrétion, il vaut toujours mieux être tout seul. Je comprends. L'expérience m'a appris que la discrétion, c'est pas mon truc. Elle va entourer ses épaules et sa tête dans une sorte de châle pour essayer de devenir un peu plus lambda que fille de Vichek et s'éloignera en direction du sud et vous ne la reverrez que à peu près une heure plus tard. On va gentiment attendre ici en jouant au dé. Ou en mangeant quelques tortillas ou en esquissant quelques petits pas de danse pour les plus hardis. Et elle va revenir en vous expliquant que ça s'est plutôt bien passé, qu'elle s'est plutôt raccommodée avec sa tante, et que du coup Arabelle est assez remontée contre sa sœur, mais que elle n'en laissera rien paraître pour pas que votre plan tombe à l'eau. Et elle vous informe que quand Luna a quitté la guilde, les ordres étaient donnés pour que la main d'argent soit mise dans un coffre et convoyée sous bonne garde jusqu'au temple de la main d'or. Avec un petit mot pour sa sœur. Et que donc la main d'argent sera dans le temple dans pas très longtemps, quoi. Ouais, mais il faudrait sans doute qu'on y soit au même moment. Le plus tôt possible et les plus discrets d'entre nous, ce qui veut dire pas moi, je reste dans le jardin au mieux. Mais je peux faire un sort d'invisibilité sur les plus discrets. C'est le moment où Vichek vous rejoint. Hey ! Vous voyez en discussion avec sa fille. Vous allez dans un coin un peu à l'abri. Vous lui expliquez assez rapidement que le plan prend tournure. Et qu'il va pas falloir tarder à agir. Vous aviez tous ensemble émis l'hypothèse que la solution, la clé de l'énigme devait certainement se trouver dans la pièce où il y a la statue de Médione avec les deux mains tendues, et que comme vous l'a confirmé Vichek du reste, c'est une pièce qui est ouverte au public, qui est assez fréquenté, et qu'il y a très peu de chances que Oren s'y rende à midi devant les yeux de tout le monde, mais qu'elle tente plutôt de faire ce qu'elle a à faire à des heures un peu plus discrètes. Ce qui veut dire que là, actuellement, la nuit. Voilà, vous devez approcher de midi, vous avez quand même devant vous quelques heures pour vous préparer, avant que Oren ne rencontre des conditions favorables à être discrète et à mettre son plan en œuvre. Vous aviez demandé à Vichek s'il avait les plans du temple. Eh bien, il vous les ramène, les plans du temple.
Il vous étale donc devant vos yeux le plan du temple de la main d'or, dans son intégralité. Ok. L'entrée est en bas. La grosse pièce ronde, c'est là que se trouve la statue. Il vous a indiqué les endroits où il y a des fenêtres. Oui. C'est là-dedans que vous devrez éventuellement naviguer. D'accord. Et Vitchek vous dit... J'ai un peu réfléchi à votre histoire. Et j'ai une proposition à vous faire. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire et on ne sait pas combien de temps ça va lui prendre. Et on ne sait pas combien de temps on aurait pour intervenir ou même ne serait-ce que comprendre ce qui est en train de se passer. Pas si elle est sûre elle-même de ce qu'elle fait. C'est aussi ça, elle va peut-être tenter des trucs, mais justement, c'est le mystère le plus total. Et en fait, je pense que je sais comment est-ce qu'on peut arriver à tirer notre épingle du jeu. Il sort de sous sa cape un sac assez volumineux. Il ouvre la sacoche et vous montre ce qu'il y a dedans. Et dedans, il y a la main d'or. La fosse, bien sûr. La fosse. Et il vous dit, par contre, si on arrive à échanger sa main d'or contre la mienne... Quoi qu'elle tente, ça marchera pas, mais on verra ce qu'elle tente. Le problème, c'est d'arriver à approcher cette main d'or, la vraie, je veux dire, et de faire l'échange. Comme on va pas fouiller le temple, parce qu'il y a plus de chances qu'on se fasse prendre qu'autre chose, mon idée, c'était d'attendre qu'elle déboule avec la main d'or et la main d'argent, à ce moment-là, de la déranger. Et du coup, déranger, elle va sûrement les mettre dans un coin, les poser, les planquer. Il faut juste qu'on observe pour savoir où elle les planque, s'occuper de ce pourquoi on la dérange, et pendant que l'un d'entre nous est en train de l'occuper, celui qui est à l'intérieur avec la fausse main d'or les substitue. Et après, on la laisse reprendre ses occupations et on observe ce qu'elle fait avec. Et dans la foulée, je récupère ma main d'or, ce qui est plutôt intéressant. Mais comment ferions-nous si nous gardons la main d'or, l'original, pour voir ce que ça peut faire? Parce qu'au final, il faut être possesseur des deux mains pour pouvoir faire les essais et en plus... être dans le temple. Eh bien, l'idée, c'est que dans un jour ou deux, peut-être même demain, Arabelle va récupérer sa main d'argent. Déjà, on se retrouve en position des deux mains. Ma cousine se rend compte que la main d'or, elle est un petit peu fausse, hein, parce qu'elle n'a plus rien pour faire illusion. Logiquement, elle devrait paniquer, et je dirais que c'est le moment où le rêve de ma fille se réalise, et où je me rends au temple en compagnie de ma cousine, avec les deux mains, et on va voir devant la statue ce qui se passe. Et on en profite pour mettre Oren dans l'embarras, et éventuellement obtenir des excuses. Donc, je vais essayer de me mettre dans ce coin-là. D'accord. En longeant les murs. Ok. Tu enjambes le balcon. Comme il n'y a personne dans la pièce, tu écartes les rideaux qui te séparent de la pièce. Alors, des rideaux très légers, certes, mais ils ne sont pas complètement transparents. Tu regardes à l'intérieur, tu vois cette fameuse salle, le sol marbré, qui fait d'ailleurs beaucoup de bruit quand tu n'as pas des mocassins. Toutes les ornementations, toutes les décorations, la statue de Médione en plein milieu. Tu t'avances en longeant le mur, ce qui n'est pas très évident parce que le mur lui-même n'est pas plat, c'est-à-dire qu'il est rempli d'alcôves avec des petites statues, de sculptures en relief, c'est,
T'es obligé de mettre un petit peu de distance entre toi et le mur pour pas accrocher toutes ces décorations. Tu commences à contourner le mur jusqu'à arriver devant cette porte. Tu sais que la porte qui est à droite est celle qui préférentiellement te sépare des appartements d'Oren. Oui. Tu rejoins l'endroit désigné. Il y a effectivement pas mal d'endroits où, alors même si tu es invisible, où se cacher parce que la salle n'est pas complètement vide. Tu entends les bruits du temple, de ci, de là. Tu entends le lourd bruit des portes qu'on referme, par exemple. Tu entends, même si c'est très étouffé, les prêtres qui discutent entre eux. Tu as l'impression que tout le monde est en train de faire le ménage dans le temple. On passe le balai, on range ce qui a été dérangé, on fait la vaisselle, on remet les coussins en place, on papote. Tu sais que l'attente risque d'être un petit peu longue. Surtout que vous savez pas bien quand est-ce qu'Oren va se décider. Au bout d'un moment, tu sais pas bien quelle heure il est, mais retentit un bruit de cloche. Un bruit de cloche assez grave et qui n'est pas extérieur au temple. Donc c'est un bruit qui est à l'intérieur. Un appel sans doute. Tu as l'impression que la plupart des bruits dans le temple sont effectivement en train de se concentrer sur la gauche. D'accord. C'est le moment où, venant de la droite, un bruit de porte se fait entendre. Tu vois la porte de droite qui s'ouvre et tu vois Oren qui rentre. Elle est sympa, elle n'a pas attendu minuit. Alors elle va juste manger. Elle est un peu impatiente. Pourtant, entre ses mains, un coffret. Elle le porte à deux mains, il a l'air assez lourd. Elle rentre dans la pièce, l'inspecte du regard. Comme elle s'y attendait, il n'y a personne. S'avance en direction de la statue. Pose la caisse au pied de la statue. Se penche. Examine le socle de la statue. Elle touche quelque chose avec le doigt. Comme si elle suivait des traces. Avec son doigt sur le socle circulaire qui sert de base à la statue. Elle se relève, pose la main sur la tête de la statue et du pouce, t'as l'impression qu'elle touche les yeux de Médion. Elle touche les yeux et elle les regarde avec beaucoup d'attention et un certain sourire. Puis une fois qu'elle a fait ça, elle se réagenouille. Elle ouvre le coffre. Il y a deux compartiments. Dans chaque compartiment, il y a une main. Tu te mets à bouger. Je vais donc te demander un petit jet de discrétion. Je te rassure, vu les précautions que tu as prises et le fait que tu es invisible, il faut juste faire plus de 5. Mais c'est là qu'on peut rigoler, tu vois. Ouais. Vache. Donc, tu marches à pas feutrés, et c'est terrifiant de marcher juste à côté de la personne. Tu sais que t'es invisible, mais toi-même tu te vois, donc c'est. T'as l'impression d'être comme une verrue au milieu de la figure et elle te remarque pas. Tu fais juste attention à pas faire de bruit et c'est là que tes respirations s'accélèrent un peu et que t'essayes de mettre en place les techniques de Luna pour pas te mettre à halter au milieu de la pièce, surtout qu'il y a une bonne réverbération. Et tu... En plus, t'es un petit peu pressé, parce que tu peux pas marcher en catimini. Tu arrives au niveau du balcon, tu arrives à franchir les rideaux à la faveur d'un coup de vent sans que les rideaux s'écartent mystérieusement comme ça. Du reste, Oren est très occupé à faire ce qu'elle fait. Mmh. Et tu es donc au niveau du balcon. Vous êtes en train d'observer. On est bien oui, d'accord. On regarde quand même en direction du balcon. Bon, alors où il n'y a personne. Je vais faire un truc simple. Je vais prendre une de mes dagues
Et caché par un des rideaux, je vais la... C'est une balustrade en bois. Oui. Caché par un des rideaux, je vais la planter, en fait, dans la balustrade, pour qu'une fois qu'elle soit plus tenue par moi, elle soit visible. Vous voyez donc tous les deux dehors, dans votre buisson, quoi que vous fassiez, apparaître tout d'un coup une dague plantée dans la rambarde. Elle est apparue comme par magie. On donne le signe à ceux qui sont au toit, du coup. Vous faites un signe à un Dan qui est planqué derrière une sculpture au niveau du dôme, qui lui-même se retourne et passe... Lève l'invisibilité avant de faire le signe. Oui, ça aide un peu. Et passe l'information à celui qui est de l'autre côté. Je récupère ma dague et je retourne à ma position. Je t'invite cordialement à refaire un jet de discrétion, bien sûr. Certes. La difficulté n'ayant pas changé, et c'est facile. Seul un malheureux faux pas te ferait repérer. Ouais, non, tout va bien. Malheureux faux pas que tu ne feras pas. Tu retournes vers la statue, du reste tu peux voir Oren en action. Elle a sorti les mains du coffre. Elle les a mis sur les siennes. Donc elle a deux gants, en quelque sorte. Hein. Enfin, elle est un petit peu, elle est un petit peu équipée. Tu la vois un peu hésitante. Et un violent bruit de coups martelés sur une porte lui fait tourner la tête sur le côté. Elle pose les deux mains dans le coffre, referme le coffre, attend. Les bruits martelés continuent, continuent. Toi-même, tu entends que des prêtres vont voir ce que c'est. Tu entends la voix de Luna qui crie, en mode désespéré, ça doit être une bonne comédienne, qui dit qu'elle veut voir sa tante, que c'est urgent, que elle a des choses à lui dire, que c'est important. Oren panique un peu, elle est toute seule, elle n'a pas de poker face à faire, donc elle panique un peu, regarde le coffre, le soulève et s'approche d'une alcôve qui se trouve ici. Il y a une statue d'un jeune homme, un adolescent on va dire, qui a une flûte dans les mains et qui a des oiseaux posés sur les épaules. Elle actionne un des oiseaux qui est posé sur l'épaule, elle le fait tourner 180 degrés. Une trappe s'ouvre dans le mur derrière la statue. Elle y glisse le coffre. Elle retourne l'oiseau, la trappe se referme. Et elle quitte la pièce par la porte au sud. Ok. À peine a-t-elle quitté la pièce que je me positionne à l'endroit où était cachée, enfin derrière la statue quoi, prêt à toucher l'oiseau. Est-ce que j'entends ses pas s'éloigner? Est-ce que... Une fois que la porte a été refermée, alors, tu n'entends plus ses pas, tu entends Luna qui fait son sketch. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, j'attends pas. Je tourne l'oiseau comme elle, afin d'ouvrir la trappe. La trappe se soulève. Est-ce que le coffre est là? Ouais, je oui, peux oui. Essayer de l'ouvrir. Il n'a pas disparu. J'ouvre le coffre. Non, tu ouvres le coffre. Les deux mains sont là. J'intervertis la main que j'ai, la fausse, avec la vraie. Tu prends la main d'or. Je fais bien attention à la mettre dans les mêmes positions. Tu confirmes ce que t'as dit Vitchek, en tout cas. Au moment où tu prends la main, tu as le sentiment qu'elle est à toi. Fine. Et il y a des choses qui te paraissent évidentes.
dans la façon de converser avec les gens, la façon de présenter tes arguments. Ton cerveau te semble plus clair, plus efficace. Beaucoup plus clair, car je suis fort pas doué dans ce genre de... Tu as des techniques, c'est exactement ça. Tu as des techniques de discussion qui te viennent, d'attitude, de comportement. C'est assez plaisant. T'avoue que tu te sens un peu supérieur, on va dire ça comme ça. Je la garde bien. Tu poses l'autre main, et comme beaucoup de gens. Et je suppose que tu refermes la trappe. Exactement. Le plus vite possible. Et tu retournes à ton poste ? Non, je vais retourner à la balustrade de façon à jeter la main au ping. Voilà. Non, mais clairement, je m'en débarrasse, je la garde. Donc, avec moi, quoi. Vous voyez, vous dans le buisson, une main d'or sortir par-dessus la balustrade et tomber dans un buisson. En toute tranquillité, quoi. Allez, la relique. Allez, go, go, go. Que faites-vous? On va la récupérer. T'es plus invisible. Okay. Moi je suis plus invisible. Tout à fait. Tu veux peut-être donc, que j'y aille du coup? C'est ce que j'allais dire, il vaut mieux que ce soit Altea qui l'a fait pour que Altea, la main devienne invisible. Altea quitte le buisson, se rend dans l'autre buisson où effectivement... Je marche calmement. J'essaye pas spécialement discret, je reste juste rester calme. Coincé entre deux branchages. Tu as le plaisir de tomber sur bah, la main d'or, quoi. En toute tranquillité. Alors, je vous confirme tout ce que je vous ai redit, hein, mais au moment où Altea a ramassé la main, William, tu as senti qu'elle n'était plus à toi. Ouais. Tu as tout d'un coup perdu cette clairvoyance. Tu as perdu la main. Qui... Mmh. Voilà, mais c'est ça, qui est passé dans Altea. Ouais. Il y a vraiment cette confirmation. Par contre, pour le coup, j'essaie de retourner au poste où j'étais avant. Ok. De façon à pouvoir voir la statue et voir ce qu'elle va éventuellement tenter. Il s'écoulera quelques minutes pendant lesquelles Luna va continuer son speech. Alors, tu sais pas bien ce qui se passe entre elles, hein, ce qu'elles se disent... De quoi elles conviennent. Mmh. En tout cas, au bout de quelques minutes, Oren va revenir dans la salle. Et elle va revenir pas par la porte du sud. Elle va revenir par la porte de l'est. Celle où elle est rentrée originellement. Donc il ne semblerait pas idiot qu'elle ait amené Luna dans ses appartements. Donc... Elle revient dans la pièce, c'est visible qu'elle a quand même quelques sueurs froides, mais elle a l'air assez contente d'elle. Oui. Oren récupère le coffre, bien évidemment, retourne devant la statue, essuie son front où perlent quelques gouttes de transpiration, remet les mains, tente de poser les mains dans les mains de la statue. Elle est nulle, il faut prendre les mains de la statue en ayant les mains. Essaye de bouger les poignets, essaye diverses positions, des mouvements, quelque chose qui pourrait éventuellement actionner un mécanisme. Retire les mains, les pose sur les piédestals où elles devraient être, normalement, attendant de voir si quelque chose se déclenche. Essaye à nouveau de toucher les yeux. Vous avez l'impression que ça commence à... Enfin, tu as l'impression que ça commence à l'énerver, que ça ne marche pas. Remets les mains sur les siennes, prends les mains de la statue, ferme les yeux, récite quelque chose à voix basse, se baisse, regarde à nouveau le piédestal de la statue. Va tenter cette petite danse pendant à peu près 5 minutes. 5 minutes où son énervement va croissant. J'aime autant
de dire que ce que tu vois, la voir s'énerver, personne ne l'a jamais vu. Hein. C'est clair. Elle finit par reposer les mains, et tu sens qu'elle lutte contre le fait de les jeter. Reposer les mains dans le coffre, le soulever, et retourner en direction de ses appartements. Ouais, mais surtout. Mais je vais juste observer la statue au niveau des yeux, en fait. Est-ce que j'ai l'impression qu'ils sont... comment dire ? Que c'est pas monobloc, en fait, que les yeux alors, pourraient les, être des pièces. Les yeux de la statue sont des pierreries. C'est pas du métal. D'accord. C'est des pierreries incrustées, pardon, de couleur bleue. Ok. Les ombres ? C'est les fameuses ombres bleues ou pas ? Alors, vous n'en avez jamais vu. Ça, c'est sûr. C'est bleu, c'est transparent. C'est veiné à l'intérieur. C'est pas des saphirs, par exemple. Peut-être bien. Tu ressors dehors, il n'y a pas de témoin pour voir. Voilà, donc pas de jet à faire, rien de très particulier. Et tu rejoins tes compagnons. Vous rejoignez Vitchek. Enfin, du moins, qui voit arriver Royce. Parce que les deux autres sont invisibles. Et qui te fait... tu les as perdus ? Non, ils sont là. Et c'est là que je dis... oui. Et que tu réapparais. Et donc, je deviens visible. Voilà. Ok. On doit pouvoir lever le sort. Donc, je vais juste lever le sort. On va aller parler... Et lui rendre sa main avec un... Il va te poser la main sur la tienne et vous allez être amené dans son antre, dans son repère, toujours masqué bien évidemment. Et c'est au milieu de sa caverne d'Ali Baba que vous allez lui rendre son bien. C'est un vrai déchirement, Althea, de lui rendre son bien. Voilà, si j'ai un léger regret, mais je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse. Tu as l'impression, pendant quelques minutes, le temps qu'a duré le trajet... Ah, qu'on m'arrache une main, soyons honnêtes. Tu t'es retrouvé avec des valeurs en marchandage, en baratin, absolument hallucinantes. T'avais presque envie d'aller faire un détour par les shops qui vendaient des articles magiques. Non, mais je suis sûr que j'aurais pu monter une guilde. Plus que ça. Mais tu comprends aussi que les possesseurs doivent prendre un melon assez exceptionnel, en fait. Qui n'est pas complètement injustifié, mais tu te retrouves avec des capacités intellectuelles bien supérieures à ce dont tu as l'habitude. Et tu dois vraiment ressentir à la longue un espèce de manque à ne plus avoir la main. Ça doit jouer sur le mental. Tu lui rends la main. Il a même pas à te demander si c'est la vraie ou la fausse, puisque dès qu'il la prend, il le sent. Et son visage, c'est clair. Il retrouve un sourire avec lequel vous ne l'avez à peu près jamais vu. Et il la pose en évidence sur son bureau. Voilà une très bonne chose de fait. Très bonne chose. Bon, il reste plus qu'à envoyer ma cousine récupérer la sienne, et puis on va se rencontrer. Vous êtes plutôt du genre à rentrer chez vous maintenant, ou vous êtes plutôt du genre à vouloir voir ce qui se passe ? J'aimerais bien voir la conclusion de tout ça. J'avoue que pas fait tout ça pour rien. Surtout que si on peut voir Oren enragé, j'avoue que... Je dois vous avouer que... Je commence à me dire qu'on risque même d'avoir besoin de vous, en fait. Je pense. D'accord. Je pense. Je vais envoyer un message à Arabelle pour qu'elle aille récupérer sa main demain. Matin. Et idéalement qu'on se voit demain après-midi pour en parler. Et je vous tiens au courant. On fait comme ça. Vous pouvez qu'on aille voir Arabelle. On a toujours l'air neutre, on a l'air de commerçant. Alors,
Hier, je vous aurais bien dit oui. Dans la mesure où ce qu'on va faire demain est notre première tentative de rapprochement, je pense qu'il est tactiquement intéressant que je m'adresse enfin à elle moi-même. D'accord. Enfin, mes hommes, et pas un intermédiaire neutre. C'est plutôt un message positif à lui envoyer. C'est moi qui fais le premier pas, quoi. Et pourtant, vous auriez été des messagers super efficaces, hein, je dis pas le contraire. Mais symboliquement parlant, il vaut mieux que ça soit un Dan qui a eu lui envoyé mon message. Nous, ce soir, on va boire un coup. Oh non, pas boire un coup. Et on va danser. J'ai récupéré la main. Vous avez repris la main. Vous n'êtes pas à court de jeux de mots, Althea. Ça, c'en est sûr. Beaucoup. Je suis sûr, on est d'accord. Je suis sûr qu'avant la fin de la soirée, vous en aurez plein d'autres une fois que l'alcool vous aura délié la langue. Disons que vous savez qu'il faut pas trop que vous quittiez le quartier d'Anne pour qu'on puisse vous trouver rapidement. Du reste, c'est Arabelle qui fait sa partition en allant récupérer la main d'argent. Et c'est l'après-midi que vous vous rendez avec Vitchek dans une auberge que vous connaissez bien maintenant parce qu'on y fait un canard à l'orange absolument délicieux. Ah, ça tombe bien, je voulais qu'on y aille, c'est super. Qui est l'auberge des Auriques. Vous allez dans un salon privé de l'auberge des Auriques, qui est ravi d'accueillir Vitchek Balioun, le célèbre, sous sa vraie apparence. Dans le salon où vous allez déjeuner, il y a Arabelle qui est là, déjà installée à table, avec à ses pieds deux chiens, deux lévriers qui sont couchés. Elle est toute seule. Elle regarde son cousin, ne laisse absolument transparaître ni haine, ni joie, ni rien. Elle est de marbre. Ils se font un sourire un peu convenu. Vitchek s'assoit. Vous asseyez. L'ambiance n'est pas très très détendue. Ils se regardent longuement, échangent quelques mots du genre « ça faisait longtemps »,« comment vas-tu ?» Félicitations pour le dernier contrat. Ne t'inquiète pas, je sais très bien que je l'ai eu par manipulation. Oui, le sergent d'Ars, c'est vraiment un salaud. Tu m'étonnes. Voilà, c'est ce genre de choses. Ils ont des sujets fédérateurs quand même. C'est exactement ça. Les ennemis communs, ça rassemble toujours. Et à propos de salaud, Vitchek lui dit. Et ta sœur, on est quand même un beau spécimen. Un beau spécimen. Ce qui calme un peu la discussion. Arabelle lui dit, peut-être, mais ça reste ma sœur. Ça ne veut pas dire que je lui pardonne quoi que ce soit. Mais je veux d'abord une promesse de ta part qui est de ne pas mettre en œuvre ces représailles dont les Danes sont si friands. Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas de coup tordu. Ma sœur va assumer ses responsabilités, elle va payer ce qu'elle doit payer et on tire un trait. C'est une Balioun, ça reste une Balioun. Et tu devrais être plutôt admiratif de sa manipulation, comme je te connais. Admiratif, c'est vite dit. On va dire que si elle l'avait fait sur un tiers, pourquoi pas. Mais sur la famille, je t'avoue que ça a du mal à passer. Oui, je suis d'accord avec toi. Et du reste, quand je dis que ma sœur paiera, ce n'est ni à toi ni à moi qu'elle doit payer. Mais à ta fille. C'est elle qui a souffert. C'est elle qui a été en prison. C'est elle qui a été forcée de te voler la main d'or et d'essayer de me voler la main d'argent. C'est elle qui mérite réparation. Et ça sera à elle de demander quelque chose à Oren. Ni à toi, ni à moi.
Maintenant, il y a un sujet qu'il faut qu'on éclaircisse à tout prix avant d'aller plus loin. J'ai bien compris que ma sœur voulait récupérer les deux mains. Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Tes amis m'ont bien dit qu'elle voulait faire quelque chose avec, mais je ne sais toujours pas dans quel but. Et j'ai l'impression que toi, tu sais dans quel but. Vitchek, de manière assez évasive, lui répond la pas du gain, l'argent. Un moyen de gagner beaucoup d'argent sûrement. Luna est avec nous ? Non. Il n'y a que Vitchek et Arabelle. Arabelle se tourne vers vous trois. Vous confirmez ? Je sais pas mentir. Je confirme. Je reste silencieuse et je regarde mon verre. Pareil. Donc tu es en train de me dire que tu n'as aucune idée de ce dont il s'agit. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis juste que je ne suis peut-être pas prêt à partager l'information. Bien. Arabelle s'essuie la bouche avec sa serviette. Eh bien, je crois que la conversation va en rester là, alors. Elle laisse un instant suspendu. Vitchek essaye de tenir le bluff au maximum. Et finit par lui dire, mais si tu consens à me prêter la main d'argent... je te promets 30% de ce que je vais récupérer. Le verre. Le marbre. C'est 50-50 ou rien. C'est moi qui vais prendre tous les risques. 40. 50% ou rien. Alors, go, go, feminist power. 50% à une condition, tu te mouilles autant que moi. Je ne passe pas devant, je ne fais rien tout seul. On va où on doit aller main dans la main. Et on assume tout ce qu'il y a à assumer. Mais tu prends ta part de responsabilité. Pas comme d'habitude. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ils vous regardent comme si vous étiez des intrus et que du coup ils peuvent pas parler de sujets qui fâchent. Vous voulez qu'on sorte, mais... Arabelle te dit non, vous êtes très pratique. Vous évitez à Vitchek d'aborder certains sujets dont il n'est pas fier. D'ailleurs, pour ça que vous êtes là très certainement. D'accord. 50-50 et on marche main dans la main. Mais je veux savoir où je vais. Eh bien, si on en croit les déductions de nos trois amis, tu vas sûrement dans la fameuse mine Borden. Enfin, j'espère, parce que sinon, franchement, l'affaire sera pas très rentable. Mais j'ai l'impression que c'est vers ça que ta sœur se dirigeait. Elle a trouvé l'entrée de la mine. Elle le pense. Elle le pense suffisamment pour se dresser contre notre famille. Et sûrement pour tout garder pour elle. Pour le temple. Intéressant. Intéressant. D'accord. Ça marche. Quel est ton plan ? Mon plan, dans une heure et demie, le temps que tu rentres dans ta guilde et moi dans la mienne, on se retrouve devant le temple de la main d'or.
Chacun amène sa main. Chacun amène ses témoins. On demande à se rendre dans la salle de la statue et on trouve un moyen d'ouvrir ce qui doit être ouvert. Devant elle s'il le faut. Et tu ne lui fais aucun reproche. Et je la laisse tranquille. Tant qu'elle s'en mêle pas. Et qu'elle la ramène pas. Autant dire que c'est pas gagné. D'accord. Rendez-vous dans 1h30, devant le temple. Luna ne vient pas ? Je n'y ai pas pensé. C'est une bonne question. C'est une affaire de famille importante ? C'est une bonne question. Je pense que vous avez raison. Il dit à un de ses hommes d'aller la chercher. Et c'est donc en sa compagnie que vous vous rendez sur la route principale, marchant à la vue de tous. Et que vous arrivez devant le temple de la main d'or, devant les jardins du moins. Et que vous attendez là à peine quelques secondes avant que, arrivant sur la même route que vous, mais par le sud, vous ne voyez Arabelle tenant un coffre entre ses mains, escortée par ses deux lévriers et par deux gardes du corps en armure, armes et boucliers. Des vrais bodyguards, quoi, pas des mecs qui sont là pour rigoler, se diriger vers vous. Pareil, elle fait bien en sorte qu'on la voit bien. Et elle s'arrête devant Vitchek, lui fait un sourire qui a un petit peu de circonstance, faut bien le dire. Vous pouvez noter une certaine tension, non pas entre Vitchek et Arabelle, mais entre les gardes du corps de Vitchek et les gardes du corps d'Arabelle. Les quatre se regardent un peu comme s'ils attendaient que l'autre passe un peu à l'attaque. Ils sont un peu sur le qui-vive. Vitchek fait une jolie courbette, faisant signe à Arabelle de passer la première. Un sympathique honneur aux dames. Arabelle apprécie et se dirige vers l'entrée du temple de la main d'or. Suivie par Vitchek, sa fille, les gardes du corps et vous. Le prêtre qui vous accueille est toujours le même, qui est un peu dédié à l'entrée du temple et qui accueille tout le monde avec des grands sourires, sauf que là, son sourire, il n'arrive pas trop à le maintenir. Quand il voit Arabelle au début, ça va, et puis quand il voit que derrière, il y a Vitchek, il a l'air un peu décontenancé. Et il finit par dire « Vous voulez que j'aille chercher la grande aurore ?» Et Arabelle lui dit « Non, ce n'est pas la peine, merci. » Et elle lui passe à côté et Vitchek lui fait un petit coucou de la main et la suit avec un grand sourire. Et tous les deux se dirigent vers la salle de la statue. Le prêtre les suit en insistant un petit peu. Je pense que je préférais quand même aller chercher la grande aurore. Si vous voulez bien attendre dans le hall... Le problème étant bien évidemment que ni Arabelle ni Vitchek n'attendent dans le hall et ils continuent à avancer en direction de la porte qui mène à la statue. Et du coup, le prêtre, comprenant qu'il n'a aucune main mise sur ce qui va se passer, vous abandonne tous et se met à courir en direction des appartements d'Oren. Arabelle, ou du moins les gardes du corps d'Arabelle, ouvrent grand la porte qui mène jusqu'à la statue et entrent dans la salle de la statue de Médione, qui n'a pas bougé, qui est toujours là, qui a été témoin de tout, bien évidemment. Une fois qu'ils sont rentrés, les gardes du corps referment la porte derrière eux. Il y a un homme de Vitchek et un garde du corps d'Arabelle qui reste dehors. Et il y en a. Et les deux autres restent dedans, et vous avez l'impression qu'ils sont un peu en mode « personne ne passera par la porte ». Et vous voilà, vous trois, plus Luna, Vitchek et Arabelle, dans la salle de dévotion, on va dire, où il y a quelques curieux qui étaient là pour eux-mêmes faire leur petite prière, et qui, voyant l'assemblée, se disent que, tiens, ils vont se casser. Et qui sortent par les portes latérales en se disant qu'il va se passer quelque chose de pas très catholique dans la pièce.
Tout le monde attend qu'il sorte, bien évidemment. Et c'est le moment où Vitchek et Arabelle se regardent et vous sentez bien que ils savent plus bien quoi faire, en fait. Qui c'est qui commence? C'est ça, c'est... Arabelle finit par vous dire, ça y est, on est là. Est-ce qu'on peut inspecter le pied de la statue? Là où il y avait eu la marque qu'elle inspectait l'autre fois. Tu me le demandes à moi ou tu leur demandes? Ah oui, à toi, MJ. Ah oui, bah il y a personne d'autre que vous dans la pièce, donc sans toi libre. Je vais jeter un œil des fois que. Tu t'approches de la statue qui te regarde toujours avec son regard enfantin bleu. Donc maintenant vous l'avez remarqué, avec les mains tendues. Pour l'instant, tu résistes à mettre tes mains dans les siennes. Oui. Tu te penches. Tu regardes au niveau du socle, il y a effectivement sur le socle rond sur lequel se trouve la statue, une inscription qui est gravée dans l'or, qui a vieilli, c'est-à-dire que tu comprends pourquoi Oren a dû passer ses doigts dessus pour trouver les lettres, c'est qu'elle est plus de première fraîcheur, et il y a marqué « perdre pour gagner ». Je lis à haute voix. Dans ton dos, Vitchek te dit, c'est la devise de Julius Balioun. Et de la maison. Perdre pour gagner. Arabelle finit par dire à haute voix elle-même, je l'ai jamais comprise. Et Vitchek lui répond, moi non plus. Vous pensez que ça a un rapport? Il faut inscrire là, c'est probable. Vitchek ouvre son coffre, il sort la main d'or. Le voyant faire, Arabelle sort la main d'argent. On en fait quoi? Vous avez des idées? Quelqu'un devrait voir ce qu'on peut en faire sur... Avec la statue. Merde. Vous voyez peut-être commencer par reproduire ce que j'avais observé l'autre soir. Je veux bien, Divitchek, mais il me faudrait la main d'argent pour ça. Ou moi la main d'or, dit Arabelle. Est-ce que Luna vous semble être un compromis acceptable tous les deux? Pour tester? Ou l'un d'entre nous, si vous préférez. En souriant, Vitchek tend la main d'or à sa fille. Qui la prend. Et se tourne vers Arabelle. C'est normal, c'est sa fille. C'est là où ça me paraît un peu plus simple. Et il lui dit, hey, 50-50. Tu prends des risques. Arabelle tend sa main d'argent à Luna, qui se retrouve avec les deux mains un petit peu... elle les met sur les siennes, hein, puisque apparemment c'est comme ça que ça marche. Elle les met sur les siennes, et vous dit, et maintenant je fais quoi? Essayez de prendre les mains de la statue. Elle s'avance vers la statue, elle pose... Peut-être qu'on a de l'impulsion. Avec un bruit métallique, les mains métalliques touchent les mains en pierre. Et elle vous dit, j'ai pas l'impression que ça s'emboîte. Elle essaye de trouver des positions, elle essaye de les faire jouer pour voir si elle peut pas les encastrer quelque part. Mais vous qui êtes pas loin, le fait est qu'en regardant les mains, c'est pas la bonne position. Est-ce qu'il correspondrait mieux comme position? C'est une excellente question. Mais est-ce en tout cas. Tourner les mains ou quelque chose de la statue. Tu regardes la statue, alors elle est en or entièrement. T'as pas l'impression que ce soit des morceaux assemblés. C'est-à-dire que tu vois pas de jointure qui permettrait de faire pivoter ni les mains, ni les bras, ni la tête. C'est un peu monobloc. Derrière vous, la porte s'ouvre. C'est là qu'on rit. Et rentre Oren.
Un peu énervé. Qu'est-ce qui se passe? Vitchek la regarde pas. Arabelle se détourne de vous pour aller au devant d'elle. Et lui demande de rester calme et de les laisser faire. Qu'est-ce que vous faites? C'est mon temple ici. Luna, écarte-toi de cette statue. Luna fait un pas en arrière. Ce sont les mains. Vous avez les mains. C'est vous qui avez manigancé tout ça, c'est ça? Manigancé tout. Arabelle lui pose une main sur l'épaule et lui dit « C'est pas grave. On t'en veut pas. M'en vouloir. Oui, t'en vouloir. Et on ne t'en veut pas. Calme-toi. » Elle commence à danser d'un pied sur l'autre. Ses mains sont la propriété du temple. Si vous continuez, je les récupère. Luna regarde son père. Vitchek regarde Arabelle. Arabelle regarde sa sœur. Non, tu ne vas pas les récupérer. Tu en as déjà assez fait. Et j'apprécierais que tu fasses des excuses à Luna. Tu l'as fait souffrir pour rien. Elle ne méritait pas ça. Oren dégage son épaule de la main de sa sœur. Vous ne comprenez pas. J'en ai besoin. Tout s'effondre ici. Je n'ai plus les moyens. C'est trop cher. Je ne peux pas. Vous ne versez pas assez. Je n'ai plus les moyens d'entretenir ce temple. Et des petites larmes naissent au niveau des yeux d'Oren. Que sa sœur prend dans ses bras. À base de « ça va s'arranger, c'est pas grave, on va trouver une solution. » Vitchek fait quelques pas en avant. Et lui dit « si solution il y a, on ne va pas trouver sans toi. » On a besoin de plus d'informations. Tu as trouvé quelque chose. On l'a compris. On ne sait pas quoi, on ne sait pas où. Mais tu as trouvé quelque chose. Dis-nous quoi. Oren hésite. Et puis elle sort de sous sa toge. Un parchemin. Que au départ elle tend à Vitchek et... que finalement elle jette au sol. Ne faisant pas cas du geste un petit peu malheureux, Vitchek s'avance, se baisse, le ramasse, le déplie et le lit à voix haute. Ce qui vous permet sur la page 1-10 de prendre connaissance du message. Vitchek vous explique que pour vous ça a peut-être l'air de rien, ce message, mais c'est la première trace historique écrite qui avait un lien entre Julius et Borden. Qui bossaient ensemble et qui avaient une histoire de cargaison et que c'était bien Julius qui était à l'origine des fameuses ambres bleues. On est bien tous d'accord que les yeux de la statue, c'est des ambres bleues. Ouais. Bien. Tout le monde te le confirme et entre deux sanglots, Oren te dit c'est là que j'ai tout compris. Quand j'ai trouvé le papier, j'ai compris qu'il était, enfin, l'origine de la fortune. C'était là, c'était ici. J'ai toujours cru que les ombres bleues dans le regard de la statue, c'était une fioriture de plus, encore quelque chose de fastueux. Mais en fait, non. C'était pour dire que c'était là. C'était là. Mais j'ai cru qu'en mettant les mains au contact de la statue,
quelque chose allait se produire, un signe, un passage, allez savoir quoi. Il ne s'est rien passé. J'ai pas encore compris, j'ai pas eu le temps, vous avez tout foutu en l'air. J'avais besoin de temps, juste besoin de temps. Maintenant, vous avez mieux que du temps, vous avez une famille. On n'est pas plus avancé. Je pensais qu'il suffisait de prendre les mains de la statue, ça me semblait évident. Ça n'a pas l'air d'être ça. Et du coup, je vois pas. Et si on essayait de prendre les mains de la statue en ayant conscience de lui donner la main ou en fermant les yeux? Vitchek invite d'un geste de la main Luna à essayer. Elle essaye, mais vous voyez qu'en fait, elle est gênée par le fait que les mains se posent pas vraiment dans les mains de la statue. Donc elle tape dessus, en gros, mais ça ne s'emboîte pas. Les mains ont effectivement une forme très précise, pas du tout symétrique, mais elles semblent pas faites pour correspondre avec les mains de Médione. Mais est-ce que les mains d'or et d'argent pourraient être enfilées sur les mains de l'enfant ? La statue ? Non. La position des doigts n'est pas bonne ? Alors, les mains de l'enfant sont très petites déjà. D'accord. Alors que ce sont des mains d'adultes. Et ensuite, non, les doigts rentreraient pas spécialement dedans. En croisant les mains, la gauche à droite, la droite à gauche ? Je sais pas, je propose. Je suis en mode brainstorming. Ouais, complètement. Mais non, ça marche encore moins bien. Et si les mains, elles touchent les yeux? Ting, ting, elles touchent les yeux, il ne se passe rien. On peut pas enfoncer les yeux ou en appuyant sur les yeux, on peut pas faire bouger les mains? Alors, tu essayes, les pierres ont l'air bien serties. Il n'y a pas de jeu particulier qui te laisserait penser que ça pourrait s'enfoncer ou bouger. Luna te dit, elles ont quand même une forme spéciale. On est d'accord que c'est pas un hasard. Elles sont pas juste ouvertes. Elles sont un peu tendues vers l'avant. Le pouce est un peu près de la main, ça fait un peu une pince. C'est, techniquement, on a l'impression que c'est fait pour prendre une main, sauf que ça n'a pas l'air d'être la main de la statue. Mais les deux mains s'emboîtent pas. Enfin, je vois pas comment une main gauche pourrait prendre une main droite, mais elles sont pas faites pour se croiser l'une l'autre. J'ai les mains de la statue dans ses yeux. Tu regardes, alors, c'est pas impossible, mais il faudrait... T'essayes de chercher et puis tu te rends compte qu'en fait il n'y a qu'une position où une main droite peut prendre une main gauche. C'est quand deux personnes sont côte à côte. Et qu'elles se prennent la main. Je fais part de ma remarque intérieure à l'assemblée. Je pense qu'il faut partager les mains sur deux personnes, peut-être. Peut-être. Arabelle dit à sa sœur, si c'est ça, tu vois, tu n'y serais jamais arrivée toute seule. Elle récupère sa main d'argent, qui est donc une main gauche. Vitchek récupère sa main d'or, qui est donc une main droite. Ils se mettent côte à côte, face à la statue. Ils enfilent la main. Et ils se prennent la main. C'est assez joli comme geste. Hein. C'est assez joli. Le seul problème pour vous qui regardez cette magnifique scène, c'est qu'au moment où les deux mains se touchent, la lumière s'éteint. Comme si toutes les torches de la pièce, tous les braseros, et Dieu sait qu'il y en a,
était instantanément devenu, alors non pas éteint, puisque vous les voyez toujours brûler, mais ne produisait plus de source de lumière. Même les couleurs sont devenues extrêmement ternes. Il n'y a qu'une seule chose qui brille dans tout le spectacle autour de vous, c'est les yeux de la statue, qui deviennent complètement lumineux. Et alors que c'est une statue, et qu'a priori elle est faite d'or, la bouche se met à s'animer, avec des grincements métalliques qui sont assez désagréables. Et une voix plutôt juvénile, une voix d'enfant, vous dit: vous qui m'entendez, je vois. Je vois les nobles représentants d'une noble maison, aveuglés par la fièvre de l'or, et piétinant la seule vraie richesse. Je vois le sombre avenir que le sort leur réserve si la voie est ouverte. Vous qui m'entendez, je vois. Vous avez déjà perdu la seule vraie richesse, et vous connaissez le prix des regrets. Vous que je vois, entrez, et vous leur apprendrez le véritable prix du triomphe. Et entre les deux mains de la statue apparaît une assez grande, 2 mètres de haut, lueur blanche de forme ovale, qui semble miroiter légèrement. Est-ce que quelqu'un a bougé ? Tu regardes autour de toi, et c'est sans doute ce qui t'inquiète le plus, c'est que Oren, Arabelle, Luna et Vitchek sont immobiles. Leurs yeux ne bougent pas, leur poitrine ne se soulève pas. Ah. Mais si j'essaie de secouer Vitchek ou... Tu passes au travers. Ah, ah, ah. C'est nous qui sommes ailleurs ou c'est eux qui sont ailleurs? Les gardes du corps, ils sont... Ils étaient dans la pièce ou pas du tout? Figés aussi, il n'y a que nous trois qui ne sommes pas figés. Il y en avait deux dans la pièce. Et il n'y a que nous trois qui ne sommes pas figés. T'as l'impression que le temps est arrêté ou... Tu ressens la même sensation que quand vous étiez en haut du phare, en fait. Marrant, je pensais que ça leur était destiné. Non, mais moi j'avais bien compris qu'il y avait une partie qui était pour nous. Ouais, mais non, moi j'étais persuadé que c'était pour... Mais bah oui, ben entrons. Entrez dans la lumière. Vous vous avancez. Oh, pourquoi nous? À travers le disque miroitant, vous voyez le visage de l'enfant qui vous regarde. La statue sourit. Les yeux bleus luisent. J'aime bien ce bleu. Tu aimes bien ce bleu, dis-tu en franchissant le portail ?